suivi, por favor. Aujourd'hui, on va faire un peu de coupé décalé. Un BPM aujourd'hui à 145, c'est-à-dire la vitesse. Ensuite, si je mets un kick, par exemple un pied, je sélectionne la zone où on va travailler. Je dis OK. Mets-moi un pied ici, là, comme ça. Ensuite, savez tous comment mettre un pied. Il suffit juste de mettre clic droit et mettre et cliquer là. OK. On va mettre une batterie. OK. Ok, à cette batterie, on va mettre des percussions. C'est-à-dire tam-tam. On va dire ceci. Écoutez. On va ajouter deuxième percussion. Écoutez. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'instrument utilisé, c'est Purity. Contactez-moi pour avoir le lien pour pouvoir télécharger ce synthétiseur. Ok, maintenant que nous avons fini de mettre pied, batterie, percussion, on peut mettre un peu un instrument appelé shamisen. Là, c'est aussi hypersonique, synthétiseur aussi à télécharger. Voilà. Shamisen. Shamisen se trouve ici. Shamisen. Il est dans ethnique. Pour ceux qui ont hypersonique, ceux qui n'ont pas hypersonique, contactez-moi. OK. Si je mets mon chamifène ici. C'est ça la base. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Ensuite, je mets une petite basse pour bien agencer les choses.
À base, je l'ai pris aussi ici dans Purity. La voici. Et basse. Basse guitare. Écoutez comment elle joue. Compléter le chamisène. Ok. La flûte est là, flûte tremolo. Là, je l'ai pris aussi dans Hypersonic 2. Se trouve ici parmi les flûtes. Woodwind. Voilà. La voici. Tu prends ça, tu mets ça comme ça. Et puis tu obtiens. Une guitare. Ok. Voici une guitare. Dans Purity. Guitare et plucklette. Voilà. Tu sélectionnes cette guitare Starkling. Et puis, tu disposes ça comme ça. Maintenant, pour ceux qui aiment les Eurocascas, parce que je reçois plein de messages, il y a des gens qui disent, por favor, comment faire les Eurocascas? Ok. Bon, on va écouter ensemble. Là, j'ai mis un filtre au début. Donc, ne vous cassez pas trop la tête pour un début, mais j'ai mis un filtre. Voilà. Donc. Rukaska, c'est simple. Voici par exemple. C'est simple. Et puis je mets ça sur le son. Ça c'est aussi simple, tu disposes ça comme ça très simplement. Peut-être ça fait peur à quelqu'un, mais il n'y a rien. Tu vois qu'il n'y a rien. Voilà, maintenant tu ajoutes le tch. C'est tout.
pense que je t'explique bien, parce que il n'y a pas grand-chose, ce n'est que ce que tu vois, que tu dois faire. Tu disposes comme j'ai disposé. Il n'y a pas de raison que ça ne sonne pas de la même façon. C'est simple. Tu tapes trois fois. Ensuite, tu ajoutes les crashs pour saturer un peu. Et puis tu mets un dernier effet. Bon, ça c'est un sample que j'ai fait. Je crois que le sample est dans le pack. Donc t'as pas tout tracassé. Voilà. Ça encore. Y a rien de compliqué. Tu mets un pied, toup. Ensuite, tu mets. Bon, principe, moi je frappe le casse-casse comment? Je me mets là sur le son, je boucle. Et puis, j'écoute en même temps. Ça fait ta, ensuite il y a un pied qui fait tout, et puis ça revient, tape, et puis tu mets, et puis tu termines avec ça. Y a rien de compliqué. Non, c'est en fait, voici ce que ça fait. Ok, si tu as écouté mon tuto, je te dis merci. Contacte-moi si tu as des questions, laisse un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.